Et bonjour YouTube, bienvenue. Nous continuons notre aventure Dark Souls 3 et cette fois-ci direction Sullivan. On a pris justement le feu au niveau du donjon Yrithyll, on pourra y revenir facilement. Et là, eh bien, nous allons nous enfoncer dans ces espèces d'égouts pas clairs du tout. Bah parce que Sullivan, quoi. Bah oui, c'est la suite. C'est la suite, c'est la suite. Donc là, évidemment, comme d'hab, il y a des strums dégueux que j'aimais pas beaucoup, qui étaient dans l'eau. Ah, les voilà. Les voilà, les voilà. Donc on va essayer de gérer un petit peu tout ça comme on peut. Et allez, ça commence bien. Donc on les chicote comme c'est pas permis. Mais alors, voilà, ils arrivent trop vite, quoi. L'exorciste, le bordel. L'objectif, en tout cas, c'est de kill pour ramasser les objets. Une petite bouse, quel plaisir. C'est toujours un grand plaisir, évidemment, de looter une bouse, hein. Voilà, là il y en a encore une. Hop. C'est géré. Putain, il y en a trois là-bas. Tu t'y habitues à ton build? Non. Non, non. Je m'y habituerai pas du tout. De toute façon, je sais comment je suis. Je sais que sur Dark Souls, je préférerais toujours jouer avec les boucliers, les grosses armures. Il n'y a pas photo. Mais ça fait du bien de changer un petit peu. Voilà, ça tape fort. Ça tape très très fort. Donc, pour le coup, ça fait vraiment du bien de. Voilà, ça permet de varier un petit peu au niveau du gameplay. C'est surtout ça que j'aime bien, c'est que ça permet de varier. Mais moi je sais qu'à terme, mon comment dire, la manière dont je préférerais jouer, c'est grosse armure bouclier pour les Dark Souls, roulade pour Bloodborne et parade pour Sekiro. Voilà, ça me permet au moins d'avoir des gameplays différents selon les jeux. Et on sait que Sekiro est plus un jeu de parade, on sait que Bloodborne est plus un jeu de roulade. Donc pour ces jeux-là, ok. Mais pour Dark Souls, même si Dark Souls c'est un gameplay très complet où tu peux faire ce que tu veux, hein, roulade, parade, tout, ben moi je préfère bouclier. C'est juste une question de préférence, je dis pas que c'est mieux. Pour le stream, tu vas faire Sekiro, Bloodborne en premier. Oh, Bloodborne, je pense. Je pense Bloodborne, Sekiro on se le garde pour la fin. Parce que je t'avoue, j'ai pas hâte du tout. Autant Bloodborne, j'ai hâte parce que ce sera full découverte. Autant j'ai pas hâte du tout pour ce qui est de Sekiro parce que putain. Sekiro quoi. Sekiro. Après Osef, en vrai, s'il meurt, tu récupères des cendres et tu auras tous les items qu'il vend à la vieille. Bah là, j'ai des cendres là. Hein. Je viens de récupérer des cendres. Il y a une grosse différence entre chevalier et guerrier dans DS3. Non. C'est juste les stats de base et l'équipement de base. C'est tout. Après, en vrai, que ce soit l'un ou l'autre, tu peux très facilement adapter. Attends, il n'y a pas Sigma, hein? Normalement, au coin du feu, là. Bah, lui aussi, on a foiré sa quête. Donc, ouais, en gros, on n'a fait aucune quête, hein. C'est pas grave. Let's go, on continue. On continue. Bah en fait, Sigmayr, on avait fait sa quête jusqu'à un moment où on a dû le louper quelque part. On sait pas où. De toute façon, voilà, les quêtes des PNJ, on sait comment ça marche. Hein. Si tu veux les faire, et voilà, comme je vous l'ai dit juste avant. Hein. Ouais, dans le puits, ça, on l'avait fait. Mais en fait, il fallait son armure. Voilà, c'était ça. Et son armure, on n'a pas réussi à la trouver. Donc voilà, on s'est cassé. Oh putain. Ah c'est un mob électrique lui. T'as vu ce qu'il m'a fait comme dégâts? Mais il me tue en fait. Il me tue. Mais oui, bien sûr qu'il me tue. Mais il est. Putain, il y a un archer en plus. C'est Pat qui l'a. Ouais, on sait pas où il est, Pat. Pareil, moi Pat, je sais pas du tout où il est. Donc voilà, ces PNJ, tu les connais à force de jouer au jeu, mais moi la Pat. J'ai raté quoi après l'arrivée au lac? Bah on a continué d'avancer tout doucement. Et là, on est à Yrithyll, on est dans les égouts d'Yrithyll. Voilà. Donc non, bah, ça sert à rien qu'on aille voir Sigmayr parce que je sais pas où est Pat. Non, on n'a pas résolu les problèmes de freeze. Mais quand je suis dans des zones comme ça fonctionne très bien. Et c'est les freeze, c'est juste quand je suis à l'icheveu ou des trucs comme ça. Très bizarre. Très 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 bizarre. Bon bah écoutez ma foi, on va rusher cette fois-ci. Parce qu'on va pas s'amuser à se taper tous ces mobs tous les jours. Ça c'est niette.
Il est dans le sanctuaire de... Sanctuaire de quoi? De Lichefeu? Ah ouais, je me rappelle, il y avait une clé qui coûtait 20 000, non? C'est pas ça? Il y a une clé à coûter 20 000 balles. Et avec la clé à 20 000 balles, tu pouvais aller dans une zone à l'arrière. Ah, oh, c'est absolument magnifique, hein, Irithyll. Pourquoi il a pas repop le chevalier? Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier? Le chevalier, il a pas repop. Ah bon, d'accord. Écoutez, quel plaisir, hein. Ok, donc la clé à 20 000, ça marche, je note. La clé à 20 000, bah écoutez, c'est ce qu'on va se faire. Non, il m'a bien eu avec son shield. Non, non, tu me tues pas. D'accord. Grand fragment de titanite, on s'en fout. On veut un éclat. Rac, 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 rac. On est tellement fort. Non, c'est vrai que c'est la violence. Hein. On est à 11 000. Ouais, il y a des tableaux en bas là. Yes, yes. Je les avais vus, mais la première fois que j'avais fait le jeu. Oh putain. Quel plaisir. Anneau du lion. Ça augmente la force, ça, je crois, non? Grand marteau de Smoog. Ce bon vieux Smoog. Il est là. Bénédiction divine. Ah là là, le marteau de Smoog. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est quelque chose. Écoutez, est-ce qu'on va pas faire toute cette aventure? Yes. Est-ce qu'on va pas faire toutes ces aventures là? Tout de suite. Moi je pense qu'il y a moyen que si. Non mais après voilà, c'est des gros clins d'œil à Dark Souls 1. Certains verront de la flemme de la part des développeurs. Mais moi c'est des clins d'œil que j'ai plutôt apprécié. C'est des clins d'œil que j'ai plutôt apprécié pour le coup. Alors, hop, 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 utiliser Sanctuaire de Lichefeu, let's go. Je sais plus qui vend la clé à 20 000. Est-ce que c'est la vendeuse, là? Ouais, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. En tout cas, voilà, ça avance plutôt bien. Le donjon d'Irithyll, de souvenir, je trouve ça horrible. Mais je trouve ça absolument horrible, horrible. Et les cendres ici, c'est les cendres de Gréhat? Non. Si? J'espère pas quand même. Le pauvre. Ouais. Ouais. Ouais non. Rien de vraiment folichon pour le coup. Tac. Acheter la clé. Non, c'est pas elle qui la vend. Hein. Si elle est là. 20 000. Il me faut 20 000 boulas. On est à 10 000. Ouais, plus une petite. Hop là. Acheter. Clé. Ok, let's go. Avec les inquisiteurs. Ah oui, non, mais eux, ils sont affreux. Hein. Affreux. Alors maintenant, la question, c'est où est cette maudite tour? Non mais c'est vrai, hein. Moi je m'y perds un petit peu ici, je sais pas où est la tour. On va essayer de grimper le plus possible. Oh putain, t'es qui toi? Unkindled, are we? And fast on the trail of the lords absconded. Then these red eyes are for you. D'accord. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. Ok. What else are unkindled ashes good for? Très bien. Merci beaucoup. Allez, il faut qu'on trouve maintenant. Tiens, peut-être en face là-bas. Putain, je me rappelle plus de cet endroit. Ouais. Je sais plus où utiliser la clé que je viens d'acheter, la clé de la tour.
Peut-être. Ah, c'était pas derrière l'espèce de Uchigatanaman? Mais oui! C'était là, mais oui, voilà. J'ai quand même quelques petits restes, quelques petits souvenirs. Let's go, let's go. Uchigatanaman. Quoi? Mais pas du tout. Mais je n'ai aucun souvenir. Je suis nul. C'est de l'autre côté. Je me rappelle d'une autre porte de l'autre côté où on fait le petit saut là. Est-ce que ce serait pas là du coup? Bah maintenant le problème c'est que voilà, il faut savoir comment y aller là-bas. Hein. Et à chaque fois je me fais avoir parce qu'en fait il y a une autre sortie autre part. Horrible. Ah c'est ça, hein, c'est où il y a le saut. Putain, comment on y va? Oh, par pitié le jeu. On avançait bien dans Irith Hill. Ce que je voulais c'était faire un try sur Sullivan aujourd'hui. Ben c'est râpé. On fera pas de try aujourd'hui pour Sullivan. Ce sera la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, ce sera jeudi. Quoique là, en plus, pour ce qui est de Dark Souls, la question que je suis en train de me poser, c'est, admettons, si vraiment Burning Crusade Classic sort plus tôt que prévu, admettons, hein, là, ça va être d'un coup compliqué, hein, parce qu'au niveau de WoW, je suis très 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 en retard sur ma préparation. Et le souci, c'est que si d'un coup on apprend que réellement, il sort le 1er juin, ce dont je doute fortement évidemment, mais on sait jamais. Ben là, d'un coup, ça va me mettre un peu dans la sauce. Et je me dirais. Aïe aïe aïe. Il faut que je joue à WoW à fond. Donc c'est pour ça, on verra bien. Ah, on a entendu la porte là. Hein. Ce vieux Pat, il se fout vraiment de notre gueule. Hein. Voilà, on va essayer de voir s'il n'y a pas un petit objet, un petit truc par là. Là, non. Super, il n'y a rien du tout. On adore ce jeu, on adore les messages au sol. Trop bien. Ah, je l'ai bien entendu, la porte, t'inquiète pas. Je l'ai bel et bien entendu. Allez, on fait le tour par là. Hop. Et on grimpe cette fois-ci. Oui, les petits rayons de soleil, c'est formidable tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Âme de gardienne du feu. Mais du coup, ça sert à quoi les âmes de gardienne du feu là dans DS3? Je me rappelle plus. J'en ai chopé une, il me semble, mais là, je me rappelle plus. Âme de gardienne du feu. Ça améliore pas les fioles, je sais pas. Et là, on se retrouve comme des cons. Et du coup, faudra se jeter sur un côté si mes souvenirs sont bons. On se jette. Là. Ouais, je sais bien que c'est un souvenir, mais oh. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Quel petit bâtard celui-là. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Donc là, évidemment, ça nous fera penser aux vieux DS où on sautait comme ça sur les tombes. Anneau d'Estus. Je sais plus ce que ça fait, mais le plaisir. Le plaisir est pour moi. Ça y est, c'est tout! Oh l'arnaque, remboursé! Je pensais qu'on allait partir dans une espèce de grande aventure absolument incroyable. Salut Ashram! Alors que pas du tout. Vas-y, elle est où la sortie? On n'en peut plus. Là. Voilà, enfin. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remonte et on va lui mettre le grappin dessus là. À ce vieux Pat. On va s'occuper de lui. Il est plus là d'un coup. Oh putain, il y a une échelle ici. Attendez, attendez. Il est où? Il est tout en haut, Pat? Oh, quel enfer. Alors,
Il a disparu, évidemment qu'il a disparu. Tu crois vraiment qu'il va rester là? Quel bâtard celui-là. Hop là, aïe, aïe. Doucement, doucement, doucement les gars, doucement. Full ralentissement j'ai eu là pendant le saut. Un petit coup dans l'échelle. On regarde vite fait ce qu'il y a dans les parages et on va voir Pat. Ouais, c'est étonnant, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est un nid peut-être. Voilà. Ouais. Donnez boum badaboum. Je veux bien te donner boum badaboum, mais quel boum badaboum? Ça? C'est bon, t'es content? Putain, mais quel enfer, ça n'a pas marché. Laissez la sélection. Laissez la sélection. Je viens de te donner boum badaboum. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas content? Laissez sélection. Ça marche pas, hein. Mais quel jeu! Mais laisse la sélection, allez! Je comprends rien. Je sais pas. Comment ça, pas ça? Allez, on va essayer avec les grandes bombes. Pump around. Oh! Alléluia! Oh, vous avez vu ce qu'il m'a donné? Ah, on les aime bien, ces petits audios. Hein. Oh oui, on les aime bien. Oh, oh oui. Oh, le plaisir. Le plaisir du petit Zozial. Allez, encore avec des titanites de mort. Ça sert à quoi les titanites en vrai dans ce jeu là? Jamais je les ai utilisés. Pour les armes spé, j'imagine. Ce qui n'est pas mon cas. Allez, Pat. Où es-tu? Je sais où tu te caches, Pat. Eh ben, il est là. Ah, ok, you're alive. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. Mm-hmm. I've come clean. I did you wrong. I didn't mean it though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and you know what I mean. Terrible. Ouais, 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 ouais. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Oh, fantastic. I knew you'd understand. I just knew it. Salova. Heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend, forever. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Des braises, des bombes, résine de pain humain, pouvoir des ténèbres. Il a une Baudelaire, la fameuse Charles Baudelaire, elle est là. Détritus, corps sec, le stuff de Katharina. Attendez, ne me dites pas qu'il faut acheter tout ce stuff-là pour le donner à Sigmayer. Parce que là, c'est 3500. Là, on est sur 8000, 11500. On est sur du 15000 balles minimum, là. On est au minimum sur du 15000 balles. Hein. Et encore, je sais pas c'est quoi l'arme de Sigmayer. Est-ce qu'il se bat avec un corps sec? Tu parles de qui, Bob? Il est aussi dans DS2, je sais qu'il est dans DS1, 3, Bloodborne, Demon's Souls, mais DS2 je vois pas, tu parles de qui? Non mais là, sans blague, il faut vraiment tout acheter là? Ça fait un petit peu beaucoup hein. Patches, il est dans Bloodborne et tout? En tout cas il est dans tous les DS je pense hein. Dans DS1, oui c'est sûr, il est dans les catacombes là. Dans DS2, est-ce qu'il y a Patches? Peut-être que oui. Mais là, ça me parle pas.
Ouais, mais l'armure ou... Tu vois, le problème, c'est qu'on peut pas deviner. Là, on est vraiment en train de perdre du temps, là. On est vraiment en train de perdre du temps. Ouais. Je crois qu'on va vite abandonner tout ça, parce que... Parce qu'on sait pas. Non, vas-y, on s'en bat les couilles. Si quelqu'un le savait sur le chat, on l'aurait fait vite fait, de manière super fluide. Ça nous aurait pas ralenti, mais là... Là, on perd beaucoup de temps, là. Pour pas grand-chose. Donc vas-y, let's go. On se casse et on continue l'aventure. Les quêtes, si tu veux les faire, il faut les préparer à l'avance et tu les fais proprement. Faut faire, en fait, moi, ce que je conseille vraiment aux nouveaux joueurs, c'est de faire une aventure propre où tu t'en fous de tout, tu t'en fous des quêtes, etc. Voilà, vraiment, tu t'en fiches. Et ce que tu fais, en fait, c'est juste, tu kiffes, tu découvres le jeu. Et si tu refais une run, là, effectivement, je conseille eh bien, de prendre un guide, un truc, regarder toutes les quêtes, comment elles se font et les faire. Je pense que c'est le mieux. 990. C'est que l'armure et je me demande si il la drop pas en le tuant. Ouais, mais vu qu'on n'est pas sûr, on va pas le faire. Hop, voilà, on a 1000. On va mettre un petit coup sur nos petites lames. Au calme. Et là, on est bien, là, quand même. Hein. On a des lames en plus... plus 7. Le scaling, il reste toujours le même. Maintenant, cette fois-ci, ce sera éclat titanite 4. Bon, bah là, on est bien, par contre, en termes de lames. J'ai mon armure qui est catastrophique. Mais alors, vraiment... Salut, Kaku! Puis voilà, de toute façon, on a foiré la quête d'Anri, on a tout foiré, donc... Osef, moi, quand, si je le refais de mon côté, si je me refais une run, je referai tout bien. De toute façon, je les ai déjà faites, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Toutes les aventures, donc c'est pas important. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir Sullivan. Eh oui, on va voir Sullivan. Et ça me fait très, très, très peur. Déjà que Sullivan, c'est un enfer sans nom quand t'as un bouclier, quand t'as une giga armure. Alors là, avec mon armure du schnapps, où je me fais littéralement two shot, ou même one shot peut-être, il va falloir connaître la chorégraphie par cœur de Sullivan. Ah ouais, d'accord, trop bien. Et ça, j'ai pas hâte. Pourquoi je m'envoie dans ce bourbier là aussi? Putain. Est-ce que c'est une fiole d'estus ça? Non, même pas, mais c'était quoi en fait dans la marmite? C'était juste pour récupérer de la vie? Oh là là, j'ai fait le pire move. Oh, j'ai fait le pire move, c'était juste pour récupérer de la vie, je crois, la marmite. Tant pis pour moi. Alors normalement, il n'y a plus de chevalier là. Mais ça, par contre, c'est le plaisir. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'était une soupe d'estus. Aïe aïe aïe, tant pis. J'ai bu une potion pour en récupérer une alors qu'en fait c'était tout le contraire. Fallait juste boire pour récupérer de la vie. J'ai fait n'importe quoi. Je le saurais. Oui. La suite c'est où? C'est pas du tout là. Là on l'a fait. On a tué les chevaliers. Franchement ouais c'est pas facile mercenaire. C'est pas facile quand... Enfin je parle quand tu sais pas jouer en roulade parce qu'il fait des dégâts, on l'a bien vu. Hein. Insensé hein, tellement il fait mal, mais alors putain, esquiver tous les mobs quoi. Là maintenant, les speedrunners, je vais les regarder d'un autre œil. Hein. Quand je vais les voir esquiver toute leur vie en faisant des roulades, là je vais comprendre. Je vais me dire, ah oui, les boss, eux c'est des boss. Je me rendais pas bien compte, mais là, oh là là. Et là, c'est full chien en plus sur la route. Donc on va se régaler, on va bien s'amuser. Salut Ryder! Regardez-moi ça. Les Kléber. Oh, je les ai bien gérés, eux, pour le coup. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il sort une tête, là? Par la fenêtre? Ah non, mais c'est ça, d'accord. C'est encore ces mobs de mort! Eh, on n'en peut plus de vous, les potes, hein, je vous le dis, hein. Oh! Oh! Salut Burger! Alors ce taf, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oh punaise!
j'ai réveillé le chien de Satan là. Ça raconte quoi sur DS? Ça raconte que c'est toujours aussi dur pour moi de jouer avec ce build, mais qu'on fait tellement mal que ça permet de compenser un petit peu. J'étais sur le stream en... Attends, attends. Tu commences un nouveau boulot. Et dès le premier jour, t'es déjà en fufu sur un stream. Incroyable. Après, je sais pas, c'est peut-être un boulot de bureau qui te permet de le faire discrètement, mais... Écoute, ma foi, tant mieux alors. Tant mieux si c'est très bien. C'est parfait, ça. On n'a pas un petit raccourci, là? Bah, bien sûr que si, on a un petit raccourci. On a un petit raccourci. Oh, mais Sullivan, on va peut-être pouvoir le try aujourd'hui, en fait. Hein. Il est juste là. Hein. Ça t'aide à te concentrer d'avoir un stream. Putain. Ah ouais, moi, c'est tout le contraire. Hein. Après, je sais pas, encore une fois, hein, dans quel domaine tu travailles, mais moi, c'est vrai que quand j'ai besoin d'avoir un petit peu de concentration, putain, c'est certainement pas un stream qui va m'aider. Hein. Oh là là. Oh la vache. Oh! Je me fais blaster. Je me fais... Eh, super, elle t'attrape par derrière, elle t'égorge là avec ses copines. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, putain. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Je suis web designer. Ah, d'accord. Non, non, c'est vrai que dans ce cas, je peux comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que j'ai un pote, c'est pareil, il bosse un petit peu dans le design, alors... Mais lui, c'est plus... Bon, je sais pas ce qu'il fait exactement, mais... Tu sais, c'est plus des Photoshop et tout. Et il m'a dit, ça me demande pas une concentration du style faire des mathématiques et tout, tu vois. Ça me demande... Je sais plus comment il m'a expliqué ça, mais en gros, vu que c'est un petit peu de l'artistique, lui, au contraire, il aime bien écouter des trucs et tout, et ça l'empêche pas du tout de travailler, quoi. Salut, la munition. Donc, ouais, j'imagine, ça dépend des domaines. Non, c'est pas du tout ce feu. C'est l'église, voilà. Donc, heureusement qu'on a débloqué le raccourci, par contre. Heureusement qu'on a débloqué le raccourci. Putain, il est 18h06. Il y a le live Warhammer qui commence à 19h. Donc, évidemment, on arrêtera avant le live Warhammer. Donc, qui commence à 19h parce que je veux aller suivre un petit peu l'actualité. Ce qui arrive dans la suite de Warhammer 40 000, le jeu de figurines. Et puis après, ce soir, encore une fois, j'espère... que Blizzard va prendre la parole après la fameuse réunion, le call des investisseurs là. J'espère que Blizzard va prendre la parole pour donner la date de sortie au moins du pré-patch. Il y a fort à parier que ce soit ce soir, donc voilà, on espère. Ce soir foot, ouais putain, oh là 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 là, ça va être une angoisse encore ce match là. Putain, je sais pas si tu suis un peu la L2. Clermont foot. Le club de Clermont qui a deux doigts de passer en L1. Bon, après, si vous habitez dans des grandes villes et que pour vous, vous avez l'habitude de, d'avoir vos clubs en L1, ça changera rien pour vous. Hein. Mais alors, Clermont en L1, il n'y a pas si longtemps, ça a été une giga désillusion pour tous les Clermontois parce que à la dernière journée, on n'est pas monté en L1. Et ben là, ils sont à deux matchs du rêve, là. Comment ce serait ouf. On va prendre full raclé. On va prendre vraiment full raclé en L1. Mais rien que le fait d'y aller, ça ferait plaisir. J'entendais les monstres chelous qui font des bruits gutturaux du fond de la gorge. On aurait dit moi quand j'ai avalé de travers. Terrible. Terrible. Ah ouais, non mais j'avoue que... Tu vois, il y a des jeux comme Dark Souls. Autant quand on est sur un stream où on discute et tout, c'est une chose... Mais quand on est sur un stream Dark Souls et que t'es que en mode audio, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Oh putain, je suis où là? Je fais quoi? Je sais pas. Tout ça pour un objet, tout ça pour un grand fragment de titanite. Really? Le jeu vidéo. Really? Tout ça pour ça. En plus, un grand fragment de titanite, on en a 150 000. Un éclat de titanite au moins, s'il te plaît. Mais oui, c'est vrai que... Non, mais surtout, ça doit être marrant si t'écoutes un stream Dark Souls, mais tu vois, genre en mode avec le son fort et que quelqu'un rentre genre dans ton bureau, tu vois, il va entendre des... Il va se dire, oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette personne qu'on vient de recruter, là?
Oh putain, c'est ici Sullivan. Mesdames et messieurs. Salut. Salut. Non. C'est ici Sullivan. Je vous jure, c'est ici. Je vous jure, c'est ici. Je viens de débloquer un raccourci. Ah ouais, ouais. Bon bah écoutez, on vient de débloquer un petit raccourci. Pas piquer des bons gros hannetons là, je vous le dis tout de suite. C'est un plaisir ce que je viens de débloquer comme raccourci. Parce que là, voilà, l'église, elle est là. D'accord. Jusque là, on est d'accord. Et le feu. Bah oui. Donc non, non, là, on est au top. Bon les potes, vous savez quoi? J'ai même envie de faire une prédiction pour Sullivan. Mais le problème, c'est qu'il est, il nous reste quoi? Il nous reste, allez, 20 minutes de live. Allez, vous savez quoi? On va faire une petite prédiction, parce que je sais qu'il y a les points de chaîne. Hein, il y a les fameux points de chaîne. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. On va lancer une prédiction, on va dire. Commencer la prédiction. Vais-je tuer Sully, c'est le prochain boss, hein, dans les 20 prochaines minutes. Réponse oui, réponse non. Durée de la prédiction, 2 minutes. Et ben voilà, il y a une prédiction qui... Allez, vas-y, 52 sur 45, dans les 20 next minutes. Putain, mais c'est n'importe quoi ça. On a à peine une petite phrase de merde. J'ai compris, oui. Donc là, nous avons une prédiction, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne pour en gagner peut-être encore plus. Tu penses quoi de l'espadon d'exilé? Je sais pas, dans quoi? Dans Dark Souls 3? Honnêtement, je pourrais pas te dire. Hein. Moi, franchement, je pourrais pas te dire. J'ai pas assez la connaissance de cette arme-là. Je l'utilise jamais, pour le coup. Donc je ne pourrais pas te dire, hélas. Non mais d'accord, mais la prédiction, est-ce que tu peux dégager s'il te plaît? Fun fact d'ailleurs, hier on a installé mon PC et on a utilisé mon adresse mail perso pour activer la suite Office dessus. Du coup le PC s'est synchronisé avec mon adresse mail et il y a mon fond d'écran perso qui s'est retrouvé sur le PC. Ah ah, terrible! Et du coup ça a ressorti ton fond d'écran WoW. Trop bien. Oh, c'est rigolo en tout cas, c'est rigolo. Allez, la prédiction qui vient de pop. Est-ce que je vais tuer Sullivan dans les 20 prochaines minutes? La réponse dans quelques instants. Faut pas que je perde de temps. Allez, ça commence à 12. Non, à 11. Il est 11, donc ça commence à 11, la prédiction. Donc, on va dire ça va jusqu'à 35. Je suis pas encore au boss. Ça va jusqu'à 35. J'ai jusqu'à 35 pour le tuer. Let's go, c'est un combat qui est absolument incroyable, qui va demander des réflexes surhumains, sachant en plus que je ne sais pas faire de parade. Donc autant vous dire que... Allez, on a 20 minutes pour faire un max de try. Voilà, ça commence bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, hein. Ceux qui ont voté oui, il va me falloir un ou deux... Il va me falloir un ou deux try de chauffe. T'as claqué 10 000. Non mais par contre, faites pas n'importe quoi les potes, hein. Claquez pas 10 000 balles sur une prédiction. Oh, claquez pas 10 000 balles. Allez, jouez, claquez un petit 1000, tu vois. 10 000. 17. Mais putain, vous êtes fous les gars. 20 000, non mais attendez, mais je crois que vous me surestimez les potes, hein. Je suis désolé de vous le dire, je crois que vous me surestimez là. Oh putain, je vais avoir encore plus de pression maintenant. Eh, vous avez trop misé sur moi, les gars. Non, Neo Slayer me dit surtout pas que t'as mis 56k. Non, mais non mais faites pas ça, les gars. Ah, 56k contre. Ah, toi, t'as peut-être compris les bails. T'as peut-être compris les bails, toi. Écoutez, on a 20 minutes pour le faire. 20 minutes. Donc là, on a dit jusqu'à 35.
quand il se met à tambouriner, le man. Saloperie, bah. Tu m'as bien eu, hein. Maintenant, faut que je me rappelle de la P2. Ah, double. Ah, double Sully. Oh, bah ouais, bah ça fait plaisir, ça. Double Sully. Très bien. Allez. Allez, on va se concentrer maintenant. Le double Sully, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus du tout de la strat. Je sais plus s'il faut tuer son double avant lui ou si peu importe, ils ont la vie partagée, je me rappelle plus. Donc, il va me falloir un petit moment pour me rappeler. Il va me falloir encore un petit moment. Bon, on se concentre et on fait ça bien. Le boss, il est incroyable, hein. Par contre, son design et tout, je le trouve insane. Je le trouve insane, ce boss. Allez. Ah ouais, mais non. Putain, je les... Ah ouais, non, non. Je les chauffe trop tôt, les lames. J'arrive pas à le taper, hein. En fait, j'ai une range qui est beaucoup trop... J'ai une range qui est beaucoup trop courte. Faut que je sois collé à lui. Genre là, faut que je me rapproche, voilà. Bois. Bois pour ta vie, pour voir. Est-ce que ça te dirait de toucher le boss? Juste pour voir ce que ça fait, tu sais, genre on essaye à un moment donné et... Non, on se casse, salaud! Putain, il a mis life. La vie, là, il m'a mis life. Mais ça se tue. Ah mais il se tue. Ah mais là il se tue trop facilement. Ah mais vous avez vu, là il se tue trop facilement. Quelqu'un qui a avalé un popcorn de travers. Le fameux. Ah non non mais d'accord. Ok allez, on focus Lad. Lad en fait il se tue. Non non, c'est vrai qu'on fait très 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 mal. Bah en fait le fait de faire très mal me permet de pallier un petit peu à mon manque de tankiness, on va dire. C'est ça le vrai avantage. C'est-à-dire que je suis extrêmement fragile, je me fais chic au tax. Mais alors ce que je leur mets quand j'arrive à avoir une petite fenêtre de dégâts, bra bra bra. Donc c'est voilà, il faut jouer avec ça quoi. Faut jouer avec ça. Mais vraiment, ces combats-là sont magistraux, quoi. L'arène de combat, elle est ouf. Enfin... Regardez les dégâts. No joke, hein. C'est un bon gros film de Boulax, là, ce qui se passe. J'avoue là, le décalage qu'ils ont. Non, on n'est pas des gridman. Salut.
Ah, c'est... il faut que ça le fasse, il faut que ça le fasse. Il nous reste encore, allez, plus de 10 minutes. Je veux pas vous faire perdre vos points, là. Je veux pas vous faire perdre vos points. Je ne veux pas. Ouais, ouais, dommage, dommage, c'est sûr, mais... en fait, le problème, c'est que je sais pas quel est son... Comment dire... Ah oui, non, non, j'ai un quart d'heure et après Alt F4. Hein. Si jamais je le tue pas dans le quart d'heure, c'est terminé, j'arrête le jeu. Hein. Je l'ai dit. Hein. J'arrête de jouer à Dark Souls à vie. On efface la... œil rouge de Cartus. Rouge de Cartus, pas œil rouge. Je vais plutôt partir sur un petit saignement. Tu vas les rendre ces points, ouais. Ouais, tu peux des poplades. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je l'ai pas trouvé. Je sais pas trop où il était. J'ai juste vu sa vie baisser un petit peu. Donc, il... je sais pas s'il est dans lui ou un peu derrière. À nous deux, mon petit pote. Attends, il a une épée en feu, hein. Abusé sa danse là, cette danse là elle est abusée. Salaud, tu fais mal, tu le sais ou pas? Il a une danse, les potes. Vas-y, je sais pas où je suis, je sais plus où j'habite. On adore ce jeu. Voilà, je sais plus où j'habite là, la caméra elle est folle et je reste dans leur cul moi et je bois une potion devant leur gueule. Non, la caméra, ça va pas du tout la caméra. Il faut que j'apprenne très très vite à les délock. Faut que j'apprenne très vite à les délock. En fait, le lock, ça peut être bien dans certains cas, mais dans d'autres cas c'est nul. Et en fait, faut pas être en mode tunnel, tu lock du début à la fin. Non, il y a des moments où il faut savoir délock très vite. Tac tac. Parce que le problème, c'est que si tu restes lock, bah voilà. Et là, en fait, je me suis pris un enchaînement qui m'a totalement déstabilisé. Moi, je suis très sensible au choke, voilà, tout simplement. Je sais pas c'est quoi le mot français, mais je suis très sensible au lock. Enfin, au choke. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où il y a un petit grain dans le rouage, ça me met dans la sauce. Et je sais plus quoi faire. Et je suis d'accord que jouer sans lock c'est très bien, mais je ne sais pas le faire. Allez, on essaye de pas choke. Voilà, comme ça. On esquive ce coup. On en met un. On en met deux. Putain, quand il fait le coup par derrière, il m'arnaque toujours. Oh oh oh, t'es où? Là? J'en profite pas, c'est ici que je devrais le sessionner. Ah non, j'en ai trop profité là. Oh le bâtard! Regarde comment il m'a arnaqué là! Tu vois, quand ça se passe comme ça, j'aime pas, parce qu'en fait, t'es par terre, et dès que tu te relèves, à la frame où tu te relèves, avant même que tu aies le temps de faire une roulade, il t'a déjà lancé son attaque. Aïe, 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 le chrono tourne. Pour info, il était censé être le last boss de Death 3, lui. Ah ouais? Bah en fait, il a un charisme de ouf, hein. La salle, la musique, les patterns, voilà, c'est un bon boss. Moi ça, c'est ce que j'appelle un bon boss. Donc ça me choquerait pas. Hein. Ça me choquerait pas. Mais en vrai, je lui fais tellement mal que si j'arrive à esquiver les un ou deux coups qu'il me met dedans... Ah non, non, pas ça le jeu, non, bah non, pas ça, putain, mais non. Tu vois, il y a des moments comme ça se passe super mal, quoi. Depuis tout à l'heure, on passe. Allez.
Ouais bah bien joué. La strat speedrun, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, counter. Le mec il veut que je le counter. Le mec il veut que je le counter. Loul. Donc non, hein. Le counter évidemment, on n'a aucun timing de counter, on n'a jamais counter du jeu, c'est pas sur Sully qu'on va commencer. Hein. C'est pas sur Sully. Par contre ce que j'aime bien c'est quand on peut try les boss comme ça vite, tu vois. Voilà, il est juste là, on perd pas de temps à galérer sur de la merde, sur des longs chemins. Allez. Let's go. Pour voir. J'ai tellement pas d'enjeu. Il m'a mis dans la sauce. Je savais même pas quel coup je voulais arrêter. Il est où le boss? Il est où? Je sais plus où il est. Putain, mais il est où? Quoi? Je savais même pas où était le boss. Je l'ai bourré, j'ai cru que j'avais tué que l'AD. Ah non, non, mais il va falloir que je regarde le replay là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, on l'a eu. On fait trop mal. Et on fait tellement mal, en vérité, qu'on peut se permettre de jouer comme des gros sacs à main, quoi. C'est un truc de fou. Là, en fait, je lui ai tellement envoyé la sauce, je vous jure, je rigole même pas, j'ai cru que j'avais tué que l'AD et que le boss, il était encore full life. Bon ben, on va devoir payer, hein. On va devoir payer les points de chaîne, hein. Allez, allez, on va payer. En tout cas, ceux qui ont misé sur moi, vous avez bien fait, les potes. Bien joué. Oh là là, ce que j'ai claqué, là. Allez, on va payer. On va payer les points de chaîne. Dites-moi combien vous avez gagné, là. Tac, les points de chaîne. Choisir le résultat de la prédiction. Et c'est choisir la réponse. La réponse est évidemment, vais-je tuer Sully dans les 20 minutes? Oui, terminer la prédiction. Voilà, vous avez été payé. Full Dex magie. Ouais, moi je sais pas trop faire les hybrides comme ça. Bah écoutez, bien joué à tous ceux qui ont gagné des points de chaîne. Parce que là, vous avez misé sur le bon cheval. Ouais, c'est bien les prédictions, en vrai c'est cool. En vrai c'est super cool. Je pensais pas que c'était cool comme ça, là d'un coup j'y ai pensé, tu vois, mais... Faudrait qu'on utilise ça beaucoup plus souvent, ouais. Plus 3K. Bon, bah ça va. Déjà, un petit 3K, c'est pas mal. Ah non, 17 000. Non, je suis pas bon, là. C'est 18... Attends, c'est 18 000 ou c'est 16 000? Non, c'est 16 000. Putain, plus 5K. On en fera sur certains boss utiles. On peut maintenant retirer le symbole noir. Ah ouais, d'accord, super. Plus 37 000 Turak, sérieux? Tu montes à combien au total là? Plus 37 000 pour Turak.
Incroyable. Écoutez, non, ça sert à rien, ça sert à rien. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Faudra bien qu'on pense à revenir visiter autour de Sullivan hein, pour la prochaine fois. En tout cas, voilà. YouTube, j'espère que vous avez kiffé ce combat absolument incroyable que nous venons de faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.